It's coming down to the mid lane, gentlemen. Epic clashes in that lane. 이번 대회에서 잘하는 미드라이너는 페이커 선수, 이지훈 선수, 비오스 선수 그리고 저까지 해서 이렇게인 것 같아요. Everyone has one name on their mind. Of course, it's always going to be Faker. I would like to play against Faker. Faker. I really want to play against Faker. Daldrin just on the other side, and it's going to be as well. Dumbledore from the top lane. The hits go in, but Sheik does kills Faker. It's only set on the base. He has Faker play Maker. This is the cost of sending four people mid to kill Faker on his birthday. Trying to put pressure on the flash into the urchin strike as well. There's the fish down. With the solo kill mid. I really like how this guy played Fizz. 我最想遇到的中路是胖，因为上一次在世界赛的时候打败我们 HQ， 希望这次能再挑战他。 네, 저는 프로 하면서 근데 사실 외국 미드라이너 선수들이랑 붙는 건 이번 기회가 거의 처음이기 때문에 직접 해보기 전에는 잘 어떻게 네, 잘 모르겠어요. 직접 붙어오기 전까지. Look at the equalizer in the backside though, on top of the hemo plague as well. This is what this comp's supposed to do. Triple kill for Easy Hoon. 다른 해외 팀의 수준이 많이 올라왔다 보니까 좀 예전처럼 그렇게 쉽게 이기긴 힘들 것 같고 저희가. Welcome everyone to day two of the 2015 Mid-Season Invitational, coming to you from Seminole Country on the campus of Florida State University in Tallahassee. Yesterday we saw some of the most anticipated international matchups of the year, and today promises to deliver just as many thrills. Now the action is ramping up. As you can see here, the crowd hyped as ever. Lots of flashy lights. Gentlemen, thank you for joining me here today. Et on est de retour après cette déclaration de Faker. Ce ne sera pas aussi facile que l'année dernière, mais ça restera facile. Oui, parce que ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, dans sa déclaration, il y a chacun peut interpréter le mot facile à sa sauce, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un degré de facilité. On va peut-être pas perfect. Ouais, peut-être pas. Mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. On pourrait le faire. Bon, on va peut-être lâcher une game. Voilà. C'est l'interrogation. Alors, bon, y a d'autres interrogations. On ne sait pas si SKT va quand même gagner ses MSI. On espère que ce ne sera clairement pas aussi simple que ça, Noah. Mais c'est vrai que sur Argent hier, ils ont quand même été hyper performants. Et donc, Noah, messieurs du canapé, le premier match, c'est Fnatic. Du Gaming U. Contre Fnatic. Contre Fnatic, les gars. Un beau match. C'est un beau match, c'est vraiment un beau match. Fabiven, il a un gros mid laner en face de lui. Ce sera quand même plus, ce sera plus facile que tout à l'heure, quand même, pour Fabiven, ouais, ce sera plus facile, je pense. Après, il y a vraiment des monstres en face. J'ai très très peur pour Steelback qui va affronter Deft. C'est quand même, Deft à la bot lane, c'est un colosse. Et ça va être très 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 dur pour la bot lane. Mais c'est pas le joueur le plus fort, le plus flippant sur la lane pure. Après effectivement c'est comme tout. C'est un joueur qui a un tel talent, tu peux lui laisser aucun espace parce que sinon il va te rouler dessus, ça c'est clair. Donc Fnatic, Edward Gaming. Fnatic qui a peut-être l'avantage quand même non au niveau de l'agressivité, c'est plus dans leur style. Du coup, Edward Gaming, je pense qu'ils ont quand même pris quelques enseignements par rapport à la journée d'hier. Ils ont vu que lorsqu'on agressait Fnatic, il y avait moyen de les mettre en difficulté. Par contre, quand on les laissait développer leur jeu comme l'ont fait TSM, c'était une véritable horreur. Donc, en équipe intelligente, qu'est-ce qu'elle est belle cette journée. Que vont choisir de faire les Edward Gaming? Cette journée, elle est encore plus belle que celle d'hier. Ouais, il n'y a que des matchs de folie, quoi. Oh, le Fnatic et Sketty. C'est normal, en même temps, Besiktas a joué trois fois hier, donc il n'y a que deux matchs Besiktas, oui. Donc il y a moins de matchs one-sided, c'est beaucoup plus disputé aujourd'hui. Et même puis encore, on est en MSI, quoi. Tous les matchs sont beaux, quoi. Il y a l'enjeu de savoir maintenant tu n'as plus le droit à l'erreur, tu es obligé de gagner, tu commences à voir certaines possibilités. Mais j'avoue que le tie-break TSM Fnatic, il me ferait vraiment marrer. Je sais pas, il n'y a pas la victoire directe qui compte quand même. La confrontation directe. En fait, ça dépend si, genre, par exemple, TSM bat HQ. Parce que c'est un triangle. Ouais, je crois qu'il y a des 4 triangulaires. Ah, si, mais s'il y a une triangulaire, à ce moment-là, ils sont obligés de rejouer, ouais, effectivement. Non, parce que normalement, effectivement, la victoire personnelle sur ton vis-à-vis compte. La transitivité n'existe pas, on pourrait dire ça. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Jamais, jamais, on le sait bien. Du coup, messieurs, que vont choisir de faire
les Edward Gaming contre les Fnatic. Jouer agressif, jouer attentiste et contré, c'est quoi le mieux? Sachant, comme je le disais, on en parlait pendant la pause, il n'y a aucun Nunu qui a été joué et quand même, Clear Love est un très grand spécialiste du Nunu. C'est un champion qui apporte beaucoup de contrôle, beaucoup de mobilité sur la map. Tu peux très vite faire notamment les carapateurs dans la river pour prendre un peu de vision, pour obtenir des rampes de lancement pour faire des rotations sur la map. Donc est-ce qu'un Nunu, par exemple, ne serait pas une bonne option pour un Clear Love qui n'aurait pas forcément envie de jouer le duel tout azimut, mais qui du coup serait sur un champion très dur à tuer, très dur à invade et qui apporte beaucoup de contrôle à son équipe? Pourquoi pas? Moi, je pensais surtout à un style ou soit avec beaucoup de contrôle ou soit avec beaucoup de mobilité. Par exemple, du Ekarim sur la top lane. Ekarim va être un enjeu, hein. Ça c'est clair et net. Encore une fois, je vois toujours bien Deft sur une Jinx, ça méga des roquettes, on l'a vu pendant les playoffs de LPL, il arrive toujours à la placer, il arrive toujours à la mettre dans un teamfight. Un petit Wolf. Move de Wolf, il m'a fait mal. Il est trop beau ce move. Il m'a fait mal sur ce coup. Wolf, donc moi je vois plus un style mobile, du bon map control et surtout des lignes fortes. Genre ne prendre aucune ligne faible. Donc par exemple, prendre la seule ligne faible pour être un Thresh. Thresh Jinx botlane, voilà peut-être la ligne la plus faible, prendre un gros pick bien solide, bien farming au mid, mais limite aller taper dans du Ziggs, dans de la Lulu, dans de la, enfin un truc qui met la pression mid, qui dépouche, qui empêche du décalage, une top lane très mobile, très forte. Ekarim, je vois vraiment, mais Ekarim en gros, en énorme, je pense que même Maokai, c'est pas... Je serais assez étonné que Fnatic laisse Ekarim au Edward Gaming. C'est Edward Gaming qui est blue side? C'est j'ai l'impression. Une bonne question. Mais on sait que, voilà, le Azir Nunu est très aimé. Je vois pas un Azir, c'est trop lent à monter par exemple sur la mid lane. Un Vlad, c'est très lent aussi. Donc plus quelque chose efficace en mid game. On sait que Dark Gaming aime bien jouer late, mais quelque chose de plus efficace en mid game, quitte à avoir un late game moins puissant. De toute façon, honnêtement, c'est pas le late game le problème contre les Fnatic avec leur compo. Et on a un petit sujet. Ah bah non. Feinte, double feinte de Rambo. Voilà, c'est le schedule. Le schedule, vous messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Bah pour ma part, vu le côté hyper agressif des Fnatic, je verrais bien EDG partir sur, pour prendre l'exemple extrême, un Jugger quelque chose. Logiquement, on a Deft, on le disait tout à l'heure, qui n'est pas forcément particulièrement brillant en phase lane, mais par contre, qui a des mécaniques de teamfight qui sont très très bonnes. On a Pawn, qui évolue particulièrement bien sur le pick Lulu, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Et avec un pick Lulu au niveau de la mid lane, ça permet de shutdown complètement l'agressivité de Fnatic sur le côté bot de la map, avec un bon roaming, et notamment avec un Nunu au niveau de la jungle, comme tu disais tout à l'heure, qui permet d'avoir un bon map control, qui permet de booster un AD carry, et avec un carry en top lane, alors un Karim ou autre, un Rumble, ou quelque chose dans ce genre-là, plutôt un Bruiser accès DPS. Là où Fnatic, bah, du coup, partirait carrément plus, bah, comme d'habitude, sur du full go-in de manière générale. Ouais, il y a aussi. Faut savoir que le style de jeu de Edward Gaming sur toute la première partie de l'année, ça a été le counter-roaming. C'est-à-dire qu'en fait, ils aiment jouer contre des jungler roamers et des support roamers. Parce que normalement, ils prennent, et c'est là où Clear Love est très fort en effet sur Nunu, il va mettre des wards un peu partout, ils anticipent les ganks et ils contrent les ganks en apportant une supériorité numérique. Quand tu ganks contre Edward Gaming, il faut toujours s'attendre à avoir une supériorité en face. Et je pense que c'est peut-être une des solutions, c'est de prendre Fnatic et leur propre jeu. Mais donc voilà, ça pourrait être une très bonne solution pour Edward Gaming. Au niveau des picks, au top, je pense pas que Karim sera laissé disponible dans une équipe ou dans une autre, donc il sera soit pick soit ban, c'est sûr et certain. Après, Korouan peut jouer énormément de choses face à Uni, qui a les armes mécaniques pour faire chier Korouan. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, mais lui il en est capable. Ça va être un super duel de top laner et un super duel de jungler cette game. Effectivement, alors il y avait une question, je suis pas sûr d'avoir compris jusqu'au bout, juste quelqu'un qui disait que Bang s'est auto-déclaré, ou alors était déclaré, je crois que c'est plutôt auto-déclaré, dans le top 3 des ADC du monde. Après j'ai pas compris le Supre Butterfly. Oui, ça de toute façon on l'avait dit hier, je pense, avant les games même, moi j'étais convaincu que Bang était top 3. Je pense qu'avec la journée d'hier, il a prouvé, en plus il a affronté Deft qui est le supposé numéro 1. Pour moi, il est top 2, Bang, Imp 1. Actuellement, en état de forme, Bang serait deuxième, il l'a montré hier. Et numéro 3, Deft, parce qu'il a toujours, dans les très gros matchs, un petit problème sur sa phase de laning. Après, c'est ADC à évaluer, c'est plus dur que midlaner.
T'as pas de 1v1, il y a beaucoup de match-up, c'est difficile de dire voilà, cet ADC c'est le meilleur. Tant qu'il fait le café, qu'il met les dégâts, de toute façon, tout le monde sera content. Alors, pour les stats alors de la journée d'hier, donc les deux équipes ont eu des bonnes et des mauvaises games. Après, le KDA général des Nord Gaming est un peu au-dessus. Fnatic, donc c'est 20 kills, 30 morts, 41 assists, ils sont à 2.03 de KDA sur la première journée. Et Nord Gaming, 31 kills, 25 morts, 79 assists, 4.4 de KDA sur la première journée. Ça reflète bien les deux équipes, hein. C'est-à-dire Fnatic, c'est une équipe qui c'est un peu all-in, mine de rien. Voilà, soit ils stompent, soit ils sont susceptibles de se faire stomp, tandis que Dirt Gaming, c'est une équipe qui a peut-être un peu plus de recul et qui est capable d'un peu mieux gérer ses matchs. Donc on a finalement le même score entre les équipes, un partout. Mais effectivement, du côté des Dirt Gaming, c'est une équipe qui, en tous les cas, je pense, est plus dure à stomp que les Fnatic, parce qu'ils ont un contrôle en mid-game et une capacité à quand même défendre et essayer de retourner la game qui est, je pense, que c'est plus mature, tout simplement. Alors. Et pour les deux top laners, ce qui concerne les top laners, donc on a un Korowan à 7.33 KDA sur la première journée contre Uni à 1.57, donc bien en dessous. Du côté donc killshare, comment on pourrait traduire le killshare La participation. Ouais. Non, parce qu'il y a killpart après. Killpart. Participation kill 71% pour Korowan, 55% pour Uni et killshare 35%. Le nombre de kills dans l'équipe qui a été pris par le joueur. Ouais, je pense que c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. 35% ouais. D'équipe pris par le joueur pour 25%. Donc Korowan, sur le papier et sur les stats, il a fait une première journée hier fantastique et Uni a été moins performant. Bah, il a hyper bien performé contre TSM, mais effectivement contre HQ, après ça a été un peu compliqué. Après il fait un gros début contre HQ, attention il commence à 2-0 quand même, hein, ouais, grâce à deux super TP. Il fait du très bon travail. Mais il est emporté par la spirale dans laquelle tombe son équipe. Il y a une game de moins pour Fnatic, qui ont joué que deux games pendant une minute, on a joué trois. C'est vrai. On va voir ce que ça va donner ce match, mais clairement, honnêtement, toutes les lanes sont super intéressantes. Quid du mid également, ou Fabiven? Je pense qu'il faut qu'il choisisse un champion sur lequel il est vraiment à l'aise et sur lequel il a déjà prouvé en compétitif contre un joueur du niveau de Pound. Il va falloir, et puis qu'il calibre vraiment bien ses tentatives d'agression au mid, parce que Pound est un joueur qui laisse, enfin en 1v1 c'est vraiment un monstre, on le sait, c'est un super dueliste Pound. Donc attention Fabiven, ne pas se laisser emporter. Je pense que Fnatic, il faut qu'il laisse les clés un peu de leur league game à Renover. Pour moi, Renover a prouvé hier, honnêtement, contre ISM, il a été énorme. Après, contre HQ, il a tenté. Le problème, c'est que sa duo lane était tellement défavorisée dès le début. Il arrivait après. C'était dur. À chaque fois, en fait, au moment où le téléport se termine et il rentre dans la mêlée, il est déjà seul, il se faisait choper. Il avait un petit temps de retard, mais effectivement. Il ne pouvait pas anticiper, ça allait tellement vite, en fait, ouais. La pression des HQ, que même en téléportant, au moment où tu vois les adversaires, c'est déjà trop tard. Les HQ ont vraiment géré ce timing-là. Ils ont réussi à shutdown Uni par la prise de vitesse sur la bot lane. Mais Uni, il a montré quasiment que du positif hier. Il a vraiment été bon. Il a été borne parmi les aveugles sur la game contre HQ. Donc il était quand même, au-dessus du lot. C'est peut-être un des top laners qui peut gêner Korowan. On va voir. Et le match-up va compter clairement. Hein, notamment ce Ekarim. Est-ce qu'il sera disponible ou pas dans la jungle? Il va falloir se méfier de Gragas également pour les deux équipes au niveau des picks. C'est clairement un champion à récupérer eh bien, en priorité. S'il est disponible, notamment pour un Renover, qu'est-ce qu'il a mis au TSM Renover avec son Gragas, c'était énorme. Ça va être Gragas et Rek'Sai aussi. Je pense que Rek'Sai, ça va être assez important comme pick. Sej aussi. Ouais, Sej peut-être un peu. Moi, je vois plus Gragas et Rek'Sai. Après, ce serait le premier choix, mais ça m'étonnerait. Bah, il y aura un ban dessus. Ça m'étonnerait que Gragas soit laissé disponible. Ouais. Et Karim aussi, je pense qu'on ne le verra pas. Voilà, je pense que Leblanc et Karim, Gragas, c'est des persos qu'on a peu de chance de voir. Effectivement. Et du coup, on va voir notamment entre ces deux junglers, Korowan. Qu'est-ce qu'il va décider de faire, Clear Love, contre Renover? Est-ce qu'il va très vite prendre une size stone ou pas? Pour ça que le pick Nunu, je le trouve intéressant, parce qu'on sait que Nunu, ça peut même ne pas finir son item de jungle et très vite faire une size stone, si nécessaire. Bah, vu le niveau qu'a montré Clear Love hier et en tenant compte de la donnée que Fnatic est une équipe hyper agressive, il a tout intérêt à partir, comme tu le disais, sur Nunu, sur quelque chose de très défensif. Je verrais bien EDG vraiment partir sur quelque chose de solide dans leur vie. Je me dois de t'interrompre, on a un petit sujet.
原因就是因为我们平常的训练量会很大，然后我们在比赛中和训练赛的沟通量会很大。虽然我们是中韩队，就中国和韩援的队伍，但我们的沟通量就是也许比中国队伍还要更好一点。就是我们在打团的时候，什么细节都会去说，所以说这就是我们打团为什么这么强的原因。All right. C'est une équipe mixte. EDG, donc Et d'ailleurs, en parlant de mixité, donc il y a un coach principal qui s'appelle Aaron du côté Edward Gaming, et ils ont recruté il y a pas longtemps Rippard, l'ancienne superstar coréenne, donc qui évoluait chez Jiner avant de prendre sa retraite, qui a joué chez SKT T1 notamment à l'ancienne vraiment, pour notamment coacher et aider les deux joueurs coréens du côté d'Edward Gaming. Ouais, t'es obligé d'avoir un encadrement un peu spécifique parce que c'est pas facile. Hein. Enfin. Apprendre le chinois, c'est pas quand même quelque chose que tu peux faire en 6 mois. Donc il va falloir qu'ils restent un petit peu plus longtemps, Deft et Pawn, s'ils veulent intégrer la langue. Et c'est très très important, la communication et l'épanouissement des joueurs, hein, on l'a vu. Ce qui est étonnant, c'est qu'au niveau du coaching, Edward Gaming, ils ont vraiment, par exemple, ils auraient pu faire venir Home, qui est l'ancien coach de Samsung, qui est quand même un monsieur qui a un beau palmarès. Et ils l'ont laissé filer. C'est vrai que ça leur ferait du bien, notamment sur les phases de draft. On se souvient que les phases de draft Samsung étaient vraiment très très fortes. Et voilà, pour éviter les erreurs qu'ils ont fait hier. Après, tactiquement, l'orientation de développer le roaming et les teamfights, et on va dire que le coach actuel, il a planté des bonnes fondations à l'équipe. Parce qu'une fois que tu sais teamfight et que tu as la gestion du roaming, c'est plus facile d'améliorer sa draft que sa gestion des fights. La communication est bonne entre les joueurs, ils viennent de le dire. Ils ont les armes EDG pour devenir une super structure s'ils continuent sur cette lancée-là. Ils peuvent peut-être justement menacer les SKT T1. Alors le sondage est ouvert pour ceux qui voudraient voter. Donc Fnatic, Edward Gaming, faites votre choix. Fnatic va-t-elle l'emporter sur la solidité d'Edward Gaming ? C'est la question. À titre d'indication sur LOL eSport, les pronos américains, je crois que... Ouais. Alors votons messieurs. Nous aussi. EDG. EDG Zab. Moi je mouille ma chemise comme dirait Noah et je vote Fnatic. D'accord. Ben, si je devais voter mon argent, j'aurais voté Edward Gaming. Mais vu que je. Et comme tu es un fanboy. Je ne mise pas mon argent et que j'ai envie d'y croire. Et que je vois aussi Edward Gaming gagner ce tournoi par un coup de baguette magique, je ne sais pas trop comment, mais parce que j'y crois plus vraiment depuis hier, mais j'ai envie d'y croire. Je vais dire Fnatic. Et toi, Tech ? Alors, moi, je pense que EDG reste quand même au-dessus, quoi qu'il en soit. Et toi, Chips ? Je fais le gamble Fnatic contre TSM hier, je fais le gamble Fnatic contre Edward Gaming. Bah, t'es un génie, mec. Normal. Bon, on va voir. Hein. C'est... De toute façon, j'ai gamble aujourd'hui. J'ai Fnatic bat Edward Gaming. Je pense que HQ va massacrer TSM. Edward Gaming battra Besiktas. Bon, ok. Non, je vais voter que Edward Gaming bat Fnatic parce que je dis que les Fnatic vont battre SKT. Alors là, par contre, je suis un gambleur, mais là. Non, mais il va beaucoup trop loin. Là, Fnatic, le mec mise tout sur la côte, quoi. Tu sais que, enfin, si jamais tu paries Fnatic, là, tu paries quasiment sur l'élimination des Edward Gaming, ça aurait été trois défaites pour eux. Oui. Mais je parie sur Edward Gaming. Et il dit qu'il va gagner. Tu sais, c'est Noah, c'est. Edward Gaming va gagner le tournoi par baguette magique, mais il perd contre TSM, contre Fnatic, contre Besiktas, contre SKT. Non, Edward Gaming gagne contre Fnatic. Bon, pardon, la phase de draft. La phase de draft qui est engagée, donc Edward Gaming est bien broussaille. Bananivia ? Bananivia. Il n'y a pas de respect. Alors là, on se regarde. Quoi ? Ils se font des blagues, c'est ça ? Ils vont peut-être écrire un mot comme ils disaient. Ouais, ils vont peut-être écrire un mot, ouais. Je sais pas, avec Anivia, qu'est-ce que tu peux écrire ? Allo. Tu peux écrire Allo. Tu bannes une Lissandra, une Oriana. Et ça ne veut rien dire, mais tu peux l'écrire. Bah, il y a deux Français dans l'équipe Fnatic, on a Nabila. C'est un complot des Illuminati. Clairement. Non, ils sont en train de remake la phase de draft. Ils l'ont annulé. C'est un mauvais ban. Ils sont en train de remake. Ouais, ça n'avait pas de sens. Il a ban Anivia first. Bah, il y aurait eu Froggen. Enfin, j'aurais dit ouais bon, d'accord. Froggen, même. C'est en Chine qu'il l'avait sorti. Nous, on avait commenté une game où il y avait une Anivia. Oui. C'est même Faker qui l'a joué, Anivia. Il l'a sorti et on l'a vu aussi en Chine. Les mecs, ils ont sorti une compo. Avec que des personnages move speed, ils ont sorti Anivia, c'était terminé. Il y avait une Kalista Vladimir, ils ont mis Anivia. Voilà, ouais, Kalista fini. Vladimir, c'était fini. Ah, c'était contre un Udyr, c'était contre un combo c'est... genre Udyr, je sais plus ce qu'il y avait. En fait, il y avait que des trucs sensibles, ou soit à la range, ou soit au kite. Ils ont dit Anivia. Voilà. Anivia, c'était fini. La game s'est terminée instantanément. C'est, ils ont gagné là-dessus. Et ils ont jamais pu approcher un teamfight. Donc, on va voir pour cette phase de draft les enjeux, le blanc.
Rumble, Ekarim, Gragas. Et au niveau des carriadés, alors Urgot également. Je vois bien Urgot, c'est super important de ces deux équipes pour l'instant. Ban Sivir. Je sais pas si on peut la ban vraiment Sivir. C'est très fort, mais c'est. En fait, ban Sivir, ouais, premier. Okay, voilà, bon, Yellow adore jouer Nautilus. Il adore, alors je sais pas pourquoi il le ban contre Sivir, mais je trouve que Yellow adore jouer Nautilus et bah, ça perd beaucoup contre une Sivir. Donc on va voir. Et peut-être que l'Edward Gaming aussi, enfin vis-à-vis du pick Urgot potentiellement. Sivir en lane, c'est quand même un champion qui s'en sort bien contre Urgot. Bon, bah, ban Urgot côté Fnatic, voilà. Alors maintenant la question c'est au niveau du Gragas notamment et de ce Ekarim. Ban Azir côté Dort Gaming, il a jamais joué Febivan cette saison Azir. Non je crois pas. Non il a jamais joué. D'accord. Peut-être que Azir les gêne particulièrement dans ce qu'il voudrait faire. Orientation, ouais, ils sont peut-être une compo hyper agressive et le peel les dérangerait. Ou alors ils vont prendre une compo de camping et ils ont pas envie qu'un Azir les massacre en late. Possible. Alors, un Gnar, le Gnar de Korowan, ban par les Fnatic, qui a subi une défaite hier contre SKT T1. Ouais. Deuxième défaite de la saison pour le Gnar de Korowan. Ouais, alors, il dure éternellement. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont décider de ban en dernier? Pour l'instant, vous remarquerez, il y a. Alors, le ban de la Cassiopeia, c'est vrai qu'Uni a été très performant hier, ouais, exact, avec, hein, le champion. Febiven moins. C'est ça, hein, Uni l'a pris une fois et Febiven l'a pris. Ouais, Febiven a pas du tout joué, c'était contre Westdoor, il s'est, ouais, fait, il s'est fait manger. Et par contre, Uni a mangé Dairus à la petite. Qui jouait Gnar. Ouais, c'est ça. Qui jouait Gnar. Ils sont venus chercher Dairus. Donc on peut quand même considérer que Edward Gaming banne un champion, mais Rumble, ils vont laisser les Karim ou pas les Fnatic. Non, donc ce sera. C'est impossible. Par contre, on a un Rumble d'open. Kalista. Dev sur Kalista, c'est à peu près comme Bang. Hein. C'est du même calibre. Oui. Et il est content. Oui, oui. Ah bah ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. La Kalista, donc pour Dirt Gaming. Mais Fnatic peut récupérer le Gragas. Il faut absolument qu'il le fasse. Et après, pour la top lane, qu'est-ce qu'il va nous jouer, Uni? C'est 3 Kalista cette saison, Dev, TC. 2 wins. Il a gagné 2 fois. Il est très très à l'aise sur le champion. Il est craint pour ce pic là. Bon, il est craint pour beaucoup de pics, je pense. Le petit Alistar sur Meiko qui a fait une énorme performance avec. Ça pourrait être assez marrant de voir le duo, enfin le Kalistar. Ils adorent Annie, je vois. C'est bien un Kalistani. En tout cas, un champion qui combatte bien. Il avec... a déjà joué sa Reign Over. Oh, il a joué une fois il cette joué saison. Une fois. Juste après le passage à la méta tank, ça a été son premier pic, le Zac. Ils vont nous prendre quoi? Donc, le Rumble pour Uni et la Rek'Sai pour Reign Over. J'aurais bien vu le Gragas. Hein, en même temps, Gragas et Rumble, c'est pas les deux champions qui. Enfin voilà, les ultis se contrent un peu. Je trouve que Reign Over est quand même plus à l'aise sur Rek'Sai que sur Gragas de manière générale. Oh, il a fait une belle game hier. Ah, je dis pas qu'il est mauvais, je dis juste que je trouve qu'il, de manière générale, il est plus à l'aise sur Rek'Sai. Oh! Pawn sur le blanc! Et là, c'est Diven, là tu le sens tremblant sur sa chaise là d'un coup. Pawn sur le blanc. D'accord, et un Thresh pour aller avec la Kalista, la duo lane qui est impossible à catch. Là, ils peuvent mettre la pression, les Dort Gaming push sous la tour des Fnatic. Impossible à gank Kalista Thresh. Ou en tout cas, honnêtement, il faut s'y reprendre plusieurs fois, bien souvent. Febiven, ils sont blue side quand même, ils sont blue side. Tu peux arriver vraiment par derrière. Ils sont blue side, c'est vrai que tu peux pas, ouais. Un peu quand même. Ça peut être compliqué de revenir. Shogat. Ouais, je pense aussi. C'est super playmaker. Il a joué deux fois Febiven, son Shogat. C'est super playmaker côté Edward Gaming, mais par contre, si jamais il passe derrière, pour l'instant, en termes de wave clear, en termes de défense, il y a très très peu de choses. Régalista pour wave clear. Après, ouais, c'est pas une grosse range. Supposons qu'elle joue Runan. C'est assez rare. Et là, Pawn part sur le blanc, mais voilà, on a le Z de Femiven, c'est ce dont je voulais parler. Attendez, les gars, vous êtes sérieux ou quoi? Vous êtes sérieux ou quoi? Alors, là, je me suis dit, oh, Febiven va la jouer un peu défensif, un Shogat, pourquoi pas? Et non. Il décide de prendre le 1v1 avec un Z. Oh, ça va être la folie. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font, les Dort Gaming? Ils nous mettent Korowan sur un champion très offensif. Faut savoir que Pound, c'est pas du tout. Bon, déjà, ça peut pas être la meilleure Leblanc du monde. Non. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas son main, ultra main pick. Hein. Vraiment, loin s'en faut. Il a joué 6 fois, 67% de win. Voilà, il a connu comme des déconvenus sur Leblanc. C'est pas comme s'il avait sorti Jace.
quand il sort Jay, généralement. Jungle. Oh, c'est solide, hein. Gregga Jungle, Kalista. Oh, elle est lourde la composition d'Edward Gaming. Oh, oh mon dieu. Et là, on a la défense par contre. Côté Fnatic. Bon, Yellow, il va falloir jouer la Annie là. Je pense que Annie, ouais. Annie, c'est très très bon. Annie pour stopper Pawn, pour mettre un gros stop à Korowan. Comme ça, Korowan, Annie, Alista. Ils ont un rumble, ouais. Allez, Yellow sur sa Annie. Très bien, excellent. Alors là, franchement, la composition d'Edward Gaming fait flipper, mais en même temps, Fnatic, il a de quoi. C'est pile leur style de jeu. Yellow sur une Annie. Ça, ce qui est fou, c'est qu'on a quasiment la compo type du style Edward Gaming contre la compo type du style Fnatic. C'est ça. Avec le duel des midlaners, avec le duel des ADC. Les junglers aussi sont sur des picks références. Les top laners aussi. Ça va être très très chaud cette game. Bon, ça va être. La game va être belle, hein. Ça va péter dans tous les sens. Hein. Le duel à la mid lane, un duel de mécanique, ça va exploser d'agressivité. Même en late, alors il y a Kalista en late, mais il y a tellement de quoi venir la chercher. Même s'il a une QSS, il y a tout ce qu'il faut. C'est fort contre Rumble, Kalista. C'est fort contre Rumble parce que ça se repositionne vite en dehors de l'ulti. Contre Zed Rek'Sai, par contre, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, contre Zed Rek'Sai, c'est chaud. Ouais. Map control dans cette game va être vital. Que ce soit pour une équipe ou comme pour l'autre. Si tu tournes les yeux deux secondes, t'as un midlaner qui s'est échappé, ça peut être la catastrophe. Mais Pawn, il a beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Hein. Parce qu'au niveau de la top lane, on n'est pas sur un carry, on est sur un tank. Au niveau de la décarry, bah, c'est une Kalista, ça prend un petit peu de temps à monter en puissance quand même. Si jamais, par miracle, il perd son match-up ou il se met en difficulté, ça peut vraiment poser un problème pour Edward Gaming. En tout cas, on a vraiment, honnêtement, là sur la phase de draft, on a une très belle rencontre qui se présente à nous. Les teamfights et les escarmouches en mid-game vont être énormes. On a pu voir la Steelback contre moi qui part sur un Lucian, champion qui est vraiment autonome, avec son dash, avec son Arras et son clear à longue portée. C'est un super champion pour lui, ça a peut-être libéré Annie. Et donc Yellow Star du côté des Fnatic. Et on est rentré dans la game, moi, Fnatic, Edward Gaming, cette game est déjà décisive entre deux équipes qui sont à égalité pour l'instant dans ce MSI. Une victoire, une défaite. Uni. Ah, le public américain qui encourage Uni. Uni sur son Rumble. Tout le monde l'attend au tournant, Noa. Combien pour Fnatic? 84%. Ah, on aimerait bien qu'ils gagnent, mais là, ils ont une compo. Honnêtement, s'ils passent pas avec ça. Avec quoi vont-ils passer? Yellow qui est parti avec son Z au niveau 1, qui a chargé son stun, qui va stacker des golds. Ah, il arrase là largement les deux joueurs Edward Gaming, mais on fait un forcing du côté de Meiko et de Dev pour aller poser une ward offensive. Beaucoup de harass également sur Yellow Star qui recule un peu. Les deux équipes déjà prennent la température dans cette game, on se chauffe à coup d'auto-attaque et de premier sort. Il stack 15 golds là-dessus, allez c'est gratuit, pourquoi pas. Il y a quand même une deep ward qui a été posée par l'Edward Gaming, ouais. Donc ça va leur permettre de prendre l'information sur le starter de Rainover. Ce n'est pas à négliger. On pourrait avoir un early gank de Rainover au top ou au mid. Ça pourrait être intéressant. C'est vrai qu'on voit de plus en plus les junglers gank dès le niveau 2 et ça fait très très mal, surtout après le red buff. S'ils arrivent à faire snowball les Fnatic, on le sait. Tu fais les Krug, le red buff et tu vas ton gank. Oh, c'est intéressant. Regardez ce qu'ils font mid, les Edward Gaming. Ils donnent un supplément d'expérience à Pound. D'expérience, pardon, le niveau 2. Peut-être qu'il va tenter de prendre l'avantage sur sa lane au niveau 2. Oh, ça va être très, très, très intéressant. Yellow Star qui rentre dans la jungle. Là, il voit Meiko et Dev. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Le flash in! Il va! Oh, Yellow Star qui prend l'expérience avec un flash, donc. Est-ce que c'est worth? C'est la question. Il vient de voir le tribush. Il part avec un avantage en termes d'expérience. Le move est hyper agressif, mais hyper risqué. Et les Edward Gaming viennent de ping justement le tribush. Regardez, qu'est-ce qu'il nous fait, Kirlove? Il part du côté du blue, de l'Arek'Sai, de Rainover. Il a son niveau de direct, il agresse, en plus ils ont bien push la lane. Non, il va gank. Forcément, il n'y a plus de flash sur Yellow Star, il faut avoir la présence d'esprit là du côté. Des fatigues de reculer, le play sur Steelback, l'arrivée de Kirlove, Yellow Star n'a plus de heal. Enfin, pardon, plus de flash, Yellow Star va concéder le first blood. Mais Ko ne tombera pas. Est-ce que c'était un bon move de la part de Yellow Star? C'est dur, c'est instantanément puni. Forcément, par c'est puni par Clearlove. Il fallait s'y attendre du côté des Fnatic. Après, c'est vrai, il ward le tribush, mais du côté Edward Gaming, c'est pas parce que le tribush est ward que la porte de la duo lane est fermée. Tu peux passer par la river. Ah, c'est dommage parce que
Ok, dans l'idée, le move, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut jouer un petit peu prudent. Et ils ont push, ils ont essayé d'agresser, et Clear Love est arrivé pour faire le ménage. 1-0, on prend l'assist du côté de la duo lane, et forcément, bah, ça va permettre à Deft et à... Non, parce que Meiko a fait son bac, j'allais dire, de deny un petit peu yellow, mais Meiko ayant fait son bac, au moins au niveau du farming, ça ne bougera pas. Oh, Rainover, il passe carrément par là, alors là, c'est le chemin de gang, vraiment, où tu veux prendre le kill. Quand on voit, non, non, j'ai le bureau de la part de Rainover, qui c'est Uni qui flash in, et un kill en faveur, Deftmatic, flash in de Rainover, est-ce qu'il va tomber, Rainover qui tombe. Oh, c'est moche, ça se joue à rien du tout. Il a pas mis le dernier coup supplémentaire, Uni, il y a cru que oh, Meiko, le flash grave qui est tenté, noix, ça n'aboutira pas, steel back sans sortira, mais quelle agressivité de la duo lane et de Wargaming là, qui dès le début profite de l'ascendant apporté par le gank de Clear Love et le mid effectivement burn. Ça se passe pas bien au mid, déjà 10 creeps de retard sans aucune intervention des junglers. Faebeven se fait déjà mener à la baguette par Pawn. Après faut voir, parce qu'encore une fois, ben le niveau 6 et surtout ben le matchup de Z sur la durée, voilà, de l'énergie contre du mana, la Pawn qui commence. Oh, Faebeven, l'agressivité sur Pawn, la chaîne qui a été posée par Pawn. Faebeven, un Q-spell de la part de Pawn, il prend quand même beaucoup de dégâts et quelques belles autos là. Il a gagné le trade finalement, le mid laner d'Edward Gaming, Rainover, qui récupère son blue buff et qui arrive du côté de la bot lane. Il a fait son gank au top, noir. Malheureusement pour Uni, il n'a pas pu prendre le kill. Et du coup, il a un avantage en CS. Le solo laner des Fnatic et Clear Love vient apporter du map control. Regardez, il a pris deux wards dans son inventaire là. Et il a son sweeper. Ça va lui permettre bien d'avoir la vision sur Rainover. On le sait, c'est un danger permanent, le juggler des Fnatic. La tentative peut-être de gang sur la mid lane. Il peut essayer de bait Faebeven. Et pendant qu'on a le décalage de Clear Love, ça y est, au top sur Uni. Il n'y a plus de flash sur Uni. Uni, il est très avancé sur sa ligne. Il y a eu la vision, il y a eu la vision du côté de Uni. On a vu Clear Love arriver là. Pawn continue d'essayer de harass. Rainover attend le dash de là, le blanc, pour essayer de faire la différence. On va se retourner du côté des Corbins. Mais il n'y a pas les petits Corbins, donc il y a 30 gold perdus là-dessus. Et il reste au top, hein, il reste au top, Clear Love. Il veut pouvoir continuer à mettre la pression sur Uni. Uni, on ne va pas le laisser tranquille. On sait à quel point c'est un danger dans l'équipe Fnatic. Le truc de Clear Love, c'est là il a fait la différence du côté du bot. Et maintenant, il sait que Uni est un énorme danger. Et donc, il faut essayer de le shutdown. Uni, ne te laisse pas embarquer par Korowan. C'est un bel, attends, une auto-attaque peut-être. Il a plus de flash, Uni. Il a plus de flash, Korowan, le lance flamme. Edward Gaming prend le meilleur sur ce trade. Korowan vivra. Uni s'est laissé embarquer par le capitaine de l'équipe chinoise. Et Rainover toujours du côté du mine, on insiste, noir. Il perd du temps quand même, le jungler des Fnatic. Pawn qui agrène le Q-spell derrière, attention. Il a utilisé son dash, il va pouvoir le choper. Non, Rainover. Oh, il s'est pressé, il a eu peur. Il a eu peur pour Faebeven. Et finalement, il ratera son gank. Yellow qui repart à l'agression. Attention, le play peut-être un grave à venir. La lanterne, Deft se repositionne. Le TP dans l'ordre. De Uni, derrière, Steelback est en train de focus Deft. Le kill qui est récupéré par Deft, peut-il le faire? Deft qui se repositionne, là le flame de la part de Meiko en défense, la fatigue également, ça joue très très bien, Deft est tout le monde pris dans le lance-flamme de Uni, mais Uni est en zone silence, et le TP en gardien de Korowan, Korowan qui va contrer la tentative de Fnatic, Uni qui tombe sur son TP, Deft récupère le kill, c'est un massacre, un naufrage noir. Il y a eu trade à la mid lane en même temps. Sont totalement outplay. La mid lane en plus, il y a 20 creeps maintenant pour Pawn, et alors que s'est-il passé? Là, bah, niveau 6 contre pas niveau 6. Ouais, bon, d'accord. Ok, oh, steal back, le dive de la part de Deft. Il y a le star qui flash in et qui n'arrivera pas. Ah, c'est Deft. 7 kills à 2 pour les Edward Gaming. 3 cagoles à 7 minutes de jeu. On est parti pour un stomp d'une beauté exemplaire. Ça, c'est les Edward Gaming. Ben, utilise l'agressivité des Fnatic, wow. Et la retourne complètement contre eux. Ah, des ceintures noires, 50e dame de judo, hein, du côté d'Edward Gaming là. C'est, après ça joue pas hyper juste non plus du côté Fnatic, mais vraiment EDG par contre, quelle pression et quelle précision dans l'ensemble de leurs moves. Pawn qui domine son match-up en 1v1 au mid, et là en plus sur la lane, pareil. Deux anneaux de Doran, un avant-bras du savant, enfin bref, c'est protège-moi, excusez-moi. Donc impossible à gérer pour Faebeven et Korowan, lui, la force tranquille. Niveau 6 sur Kalista, niveau 6 sur Korowan en termes d'XP. Il est loué de 4 masses.
partout. On est vraiment à la ramasse partout. Et la Fabi va peut-être pour le gant, qui est l'All-Star, la boucle de feu, il va tout prendre, pound la pound. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire à part mourir la bouche ouverte. Voilà, du bon roaming de la part de Yellowstar. Le problème pour lui, encore une fois, c'est il commence à pointer le bout de son nez, Yellow, mais le problème, c'est que son flash agressif en early lui a démoli ses 8 premières minutes de jeu. Et maintenant, il commence à réagir. Mais c'est peut-être déjà trop tard pour le comeback. 20 creep au mid, 20 creep au bot. C'est... voilà. Même 30 creep au bot. 7 kills à 3, enfin, c'est vraiment un énorme stomp en early game. C'est de toutes les games qu'on a pu regarder jusqu'à maintenant, c'est le pire départ de game. Là, c'est vraiment compliqué. Regardez, Dev qui agresse en 1v2. Bon, le trash était derrière, mais voilà, le fait est qu'il va quasiment sous la tour des Fnatic. Et il n'hésite pas, il n'hésite pas, il met la pression. On a un petit lag de stream, donc Rambo. Et ça va revenir, ça va vite dans cette game, tous ces kills. Trop vite pour Fnatic, nous-mêmes. Mais surtout qu'ils y sont allés en mode, coucou Eli, ils y sont allés en mode agressivité à fond. Que ce soit au top, ça n'a pas marché. À la botlane, ce flash pour voler, bon, ben, y a de l'idée, mais derrière, ben, ils sont encore trop agressifs et ils se font punir. Et Fabiven, il a essayé de bait longtemps Pound au mid. Ouais. Il y a Renover qui a passé beaucoup de temps à essayer de camper Pound, vu à quel point son millénaire se faisait détruire. Et ça non plus, ça n'a pas payé. C'est-à-dire toutes leurs tentatives d'agressivité ont non seulement été contrées, mais en plus ont été punies. Et là, on a vraiment une situation qui est très très délicate hein, pour Fnatic à gérer. Après, Ferryven est à 2. Enfin, il est à 1-1-1. On a quand même un Renover à 2-1. Mais voilà, Edward Gaming quand même contrôle le rythme de la game. Ils vont récupérer ce premier dragon, l'équipe chinoise. Ils vont rentrer dans la jungle des Fnatic. Et Yellowstar n'a pas de flash. Yellowstar n'a pas de flash. Attention à ne pas se faire catch pour le capitaine de l'équipe européenne. Et on va récupérer ce blue buff noir. C'est sûr, hein, là, du côté de Edward Gaming. Ils ont donné de la folie à la game. Ça, c'est quand même la marque des grandes équipes, je trouve. Savoir eh bien, transcender un peu, changer son style initial de jeu en fonction de l'enjeu, justement. Une Kalista 4-0 sur la phase de laning, elle est cuite. La duo lane, elle est cuite. C'est impossible. Et même, j'ai l'impression que toutes les lanes, elles sont mortes. C'est-à-dire que là, bah, limite, il faudrait se regrouper, faire un gros push au mid, essayer de prendre une tour et commencer à faire du roaming, commencer à essayer de pick up des kills. Parce que la phase de lane, si elle continue, ça va être de pire en pire. Fabiven, la chaîne de la part de Pound, le CC, une deuxième chaîne, Fabiven, l'arrivée de Clear Love, et Fabiven qui utilise un ulti au dernier moment, mais voilà, Clear Love récupère le kill. Pound ne tombera pas, Renover est présent tout de même, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Le jungler des Fnatic va se faire cesser, pour l'instant il va prendre le kill sur un flash hyper agressif et autoritaire sur Pound. Pound, il est en train d'outplay totalement Fabiven. On vient de le voir, hein, dans le 1 contre 1, Fabiven s'est fait parfaitement outplay. Sur Renover, le dive sur Clear Love, il prend le kill mine de rien. Renover, il s'en va. Oh, le grab de Meko. Le grab, il y a encore des sbires. L'arrivée de Uni également. Renover se retourne avec un bureau. Meko prend d'énormes dégâts. Renover sonne la révolte de Fnatic peut-être. Meko One ne l'entend pas de cette oreille. Il récupère ce kill au mid. Le slow qui est appliqué de la part de Uni. T'as encore un arpon Uni, voilà. Le slow encore une fois sur Koro One. Il y a le décalage de Yellow qui est en train d'arriver. Et c'est bon, on va. Attends, il a le boost de mobilité la Koro One. Et il se prendra tout de même le harpon. Uni arrivera à maintenir à distance le Maokai Edward Gaming. C'est bien là, ce qu'a fait Renover sur cette mid lane. Il a pris 5 kills, il a tous les kills de l'équipe Fnatic. Donc il va devoir porter tout cet early mid game sur ses épaules. Car là, c'est vraiment lui qui va devoir target les lignes une par une et essayer de les remonter. Il a 5-2 Renover. Est-ce qu'il va pouvoir comeback pour 3 les dégâts? Là, vous l'avez senti, la barre qui était full du côté de la Rexa et le E fait vraiment très très mal. Heureusement pour Renover, il sort de l'aggro de la tour en faisant son tunnel quand même, sinon ça aurait été compliqué là-dessus. Et ça leur permet de prendre le kill sur Meko. Le bon décalage du nid. L'intervention de Kurovan, bon! Est-ce qu'il y a quelque chose de remontable pour Fnatic? C'est la question, mais bah, la question, c'est que Def n'est pas encore rentré dans le jeu là. Def, il est toujours en haut, en bas, en train de mettre 50 creeps à Steelback. Et le moment où Def va décider de sortir de sa tanière et de rentrer, enfin les premiers teamfights, je vois pas trop comment ils vont faire. Mais à moins d'un engage aux Tibers de Yellowstar incroyable, ça va être très très dur. Il a déjà bêté. Et à ce rythme-là, il aura forcément vite son ceinturon de mercure. Et ça va être un gros problème après pour les Fnatic. Parce que Death avec ceinturon de mercure, protégé par le Thresh de Meiko, je vois pas trop comment tu le tues.
surtout qu'avec la BT il va énormément sustain. On fait le décalage maintenant du côté d'Earth Gaming après avoir pris 7 T1 bot noir. C'est au tour de la mid lane. Et avec une BT déjà sur la Kalista, il faut très vite clear parce que tous ces hits vont poser beaucoup de problèmes aux Fnatic. Regardez la tour ce qu'elle a pris déjà. Et on continue du côté de Dev. Il faut du soutien côté Fnatic au mid. Ou alors tenter un engage. Le problème c'est qu'il y a 4 joueurs Edward Gaming là. Comment ils vont pouvoir les engager avec le retard qu'ils ont les Fnatic? Surtout s'ils lâchent le cercle, la ceinture de tour T1. Derrière leur jungle ne va être qu'un vaste champ de bataille. Un grand terrain de jeu pour les Edward Gaming. Voilà, Fabiven qui va devoir se rapatrier. On essaye de lâcher un petit peu pour voir si on peut pas remonter au farming. De donner un peu de creep à Steelback à Uni. Mais pour l'instant, ils accusent tellement de retard, Chips. Et là, le problème, c'est que maintenant, ben, forcément, il continue son petit manège. Dev, il arrive du côté du top pour prendre les T1. Avec sa BT, c'est cadeau pour les Edward Gaming. Uni se fait dive. Là, il arrive de prendre également Uni qui va tomber. Meiko, lui, survivra au dive des Edward Gaming. Et maintenant, les Fnatic qui voient l'arrivée de Fabiven au top. Tandis que Steelback essaie de come back du côté du bot et de farm un maximum. Il y a un T-Burst, il n'y a pas de flash sur Yellow. Il n'y a plus de T-Burst. Il n'y a pas de flash sur Yellow, ils peuvent pas faire quelque chose même avec l'arrivée de Fabiven. Oh. Est-ce qu'ils vont tenter? Il y a Def, la cage, ils vont essayer d'arriver. Il n'y a plus de dash sur Pound, il reste juste son ulti. Il ne peut pas, il n'y arrive pas. Fabiven, le problème c'est que s'il va dedans, il y a la fatigue de Meiko. Et il le sait ça, il s'en méfie, il sait très bien que s'il il pourra peut-être pas burst down quelqu'un. Et les Edward Gaming vont récupérer une tour. Yellow Star met la pression à ce moment-là. Fabiven, ils ont essayé de se coordonner Fnatic. Pour un gros go-in, l'arrivée de Uni, est-ce qu'il a un ulti? Non, pas d'ulti pour Uni. Ça manque de contrôle un peu du côté quand même des Fnatic. Def qui se fait tester. Def, attends, Def, le heal, c'est Fabiven dans la mêlée. Def, qui va tomber. Il s'est sniper par Fabiven. On va essayer de contrer, mais Koro, un petit tank dans la mêlée qui va prendre un kill en relâchant son ulti. L'arrivée Steelback. De Steelback. Steelback qui a encore du point de vie, il se fait charger à son élément par Koro. Non, son Q-spell passe au travers. Koro était passé dans son dos. C'est horrible pour les Fnatic et maintenant Yellow Star est en danger. Yellow Star qui va tomber. Pound. Ace. C'est le double kill en plus pour Meiko. Le support, ce ne sera même pas Pound qui récupérera ce frag. Quel massacre encore une fois. Fnatic tente de jouer avec ses armes, avec son cœur noir, mais c'est pas facile honnêtement. Les Edward Gaming sont sans pitié. Ah bah, ils ont trop puni leur lead game. Ils ont trop puni leur lead game. Et là maintenant, bon, on le sent dans les trades parce que là ce fight n'est pas mauvais. Mais Korowan il fait tellement de dégâts, il tank tellement. Enfin, il va relâcher son ulti sur Fabiven, blam! Au revoir. Et là ça s'est joué en plus. C'est joué à 4 contre 5. Ils ont fait un siège avant, ils ont eu le temps de pack et de revenir. Korowan il a quand même super bien joué. Le moment où Steelback lance son Q-spell, il passe derrière. Honnêtement, la présence d'esprit pour faire ça sur ce moment, parce qu'il sauve hein, d'ailleurs. Et un double kill pour Meiko dans la foulée. Et le dragon qui up. Moi j'ai l'impression que c'était à 2 minutes le premier dragon d'Edward Gaming. Mais comme quoi le temps passe vite dans ces games. On en est à 1 kill par minute pour les vainqueurs de la LPL Spring. Et ce deuxième dragon qui est récupéré par Deft et compagnie. 7K gold d'avance à 16 minutes de jeu. On est dans les très très grands stomps de l'univers League of Legends. Ouais. Et bon, j'ai rarement vu, voire jamais, quelqu'un remonter de quelque chose comme ça, à moins d'un straw massif. Mais regarde l'Edward Gaming, ils font ce que fait Fnatic. A fait Fnatic très bien lors de la première game contre TSM, ils ne leur laissent aucun répit. Toujours en train de faire progresser les lignes, toujours en train de prendre des objectifs. On n'a plus les tours T1, les deux dragons ont été sécurisés. Là, même dans 3 minutes de jeu, sachant qu'il y a... Vous regardez le map control des Fnatic, il est inexistant, il n'arrive pas à progresser sur la carte. Le buff Nashor va devenir... Ben, un call très facile pour les Edward Gaming, ils vont pouvoir les bait, ils vont pouvoir trap. Et Meiko qui a 3, 1, 9. Ouais. c'est dur. Hein. Ça fait mal. Même le trash des Edward Gaming est totalement fade. C'est dur et en plus il part sur un creuset pour essayer de maintenir Deft en vie contre un éventuel T-Burst, comme ça il pourra garder sa QSS contre l'ulti de... C'est-à-dire qu'ils auront creusé. Contre l'ulti de Fabiven. Ils auront creusé et sans doute QSS. C'est après, ça, ouais. Exactement. Ben là, pour le coup, ça va devenir dur de choper Deft. Pas, on y le tente là sur Fabiven. Fabiven recule, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les Fnatic? Des plays d'exploit droit. Il faut créer l'exploit du côté des Fnatic, c'est la seule chance pour eux de remporter cette partie. Tellement maintenant l'étau Edward Gaming s'est resserré.
Renover, il va passer dans le dos de Korowan. Le problème, c'est que ce Maokai est déjà très compliqué à tuer et à catch avec sa gloire du juste et ses boosts de mercure. Il met 50 creep au top, il a déjà sa gloire du juste. Renover qui se fait agresser par Pound, le stun qui passera. Mais voilà, il va juste donner un petit coup de main à Korowan pour bien faire progresser sa ligne. Et là, regardez à quel point ils sont répartis sur la carte. Ils font, ils pushent toutes les lignes en même temps, toutes les lignes. Et qui va venir chercher Deft à 5-1-4, protégé voilà, par Meko comme ça. C'est impossible à aller chercher avec Klirnov qui est derrière, qui fait la navette. Ils ne peuvent que concéder des tours. Ils ne leur ont laissé aucun espoir. Mais mine de rien, enfin... Je sais que je vais remuer le passé, Noir, mais les deux games Fnatic pour l'instant sur lesquels ils se font stomp dans ce MSI, elles partent d'un early flash sur la duo lane qui après leur coûte tout, absolument tout. Bon, il n'y a pas que ça, bien entendu, mais encore une fois, s'ils partent pas avec ce désavantage bot et qu'ils ne sont pas... Snowball comme ça, c'est peut-être pas pareil. L'arrivée de Renover, attention sur Meiko, le TP de Korowan qui va imposer la puissance de tankiness de son Maokai dans le temps. Il va dive Korowan, l'unique qui va tomber. Premièrement, Babyven dans la mêlée, attention Babyven qui le tente sur Def. Il va essayer de partir sur Def, mais Def qui va survivre, voilà, il est bien caché derrière et regardez. Même Renover, il tente de fuir, moi, mais c'est compliqué. Clearlop qui s'amuse dans la mêlée. Et il ne restera plus que Yellowstar de vivant. 10k gold avant les 20 minutes de jeu, on va pouvoir prendre l'inhibiteur. Ce sera peut-être la game la plus rapide du MSI. Bon, au moins ça bouge. Ah ben, c'est vivant. On a toujours su que les games Fnatic étaient particulièrement bouillantes. Le problème, c'est que ça s'est retourné contre eux là. Il rend un flash en early. C'est dur. Ah, il aurait enfin, pas. Y a pas que ça. Hein. Oui. Il n'y a pas que ça, mais quand même. Toutes les lignes se sont fait manger. Il n'y a pas que ça, mais ça les met dans une telle difficulté. Ah, Korowan, il a TP au mauvais endroit. Il était sur une ward des Européens et Uni. Il faut laisser le kill à Uni, là. Il faut qu'il puisse tenter de monter en puissance un peu. C'est dur, hein, Korowan. C'est laborieux. Korowan pour le duel. Hein. On l'avait presque laissé pour mort. Il a failli emporter Uni. On va revoir la fin. Alors là, sanction de Meiko. Play de Meiko, ah, ben voilà. Notre engage est morte. Il faut qu'on se barre. Et là, ben, les EDG, il contre. C'est Meiko, il détruit l'engage Fnatic avec un seul bump. Il y a eu un bon petit burst de yellow, mais c'est pas suffisant. Il y a trop de retard maintenant, il y a trop de dégâts. Il y a des Fabiven. Il a pas le temps de mettre un seul coup sur Deft. Il a le temps de mettre la Deathmark. Il a prêt de mourir. Qu'est-ce que c'est dur. Ouais, derrière Clearlove également qui prend le relais là dans la mêlée. Ouais, sincèrement, Edward Gaming là, sur ce dive, ils ont prouvé que Fnatic n'avait plus vraiment de possibilité de remporter cette game parce qu'ils y sont vraiment allés comme des bourrins et il n'y a pas vraiment eu de problème pour eux. Donc maintenant Noah 20 kills à 8, quasiment les 10k gold et un inhibiteur qui a été pris. Mais c'est là où on voit hein. Edward Gaming, qu'est-ce que c'est fort. Ouais. Qu'est-ce que c'est fort. Ce qui est fort c'est ils sont dans un style de jeu où ils snowball et ça fait peur quand même. Quand ils sont dans ces conditions. C'est terrifiant. Oh le... Le Yellow Call. Bah, ils sont obligés. Non, mais c'est un pari. Il n'y a pas 36 façons de remonter cette game, c'est de prendre des risques, ça c'est sûr. C'est pas en attendant sous les tours que les Fnatic vont gagner. Sur ce point-là, je suis entièrement d'accord avec eux. Ils l'ont tenté, bon bah ils l'ont cancel, ça leur coûtera pas très cher. C'est tour, mais de toute façon qui n'aurait pas pu être défendu. Clearlove et Parm qui bouge, 7-2 au mid. 35 secondes avant le tour dragon et avec cet inhibiteur en moins, Fnatic n'a aucune chance de pouvoir le contest, ce qui va donner un troisième dragon assez facile pour Edward Gaming. Et Dev qui continue à push. Et il a fait son ceinturon en... D'accord. Bah, c'est peut-être le seul truc que peuvent espérer Fnatic, c'est une watch on Deft et d'essayer de voir s'ils peuvent gagner à 4 contre 5. Oui. Mais bon bah voilà. Et le Graal en plus arrive, enfin le creuset arrive sur Meiko. Donc bah, la fenêtre est fermée. Ça, il y avait une fenêtre qui était un peu entrouverte. Hop, les Edward Gaming sont arrivés et ont mis le verrou. Quasiment le creuset, hein, pas encore. Non, pas encore, il a le calice pour l'instant, enfin le vase. Mais clairement, déjà avec la QSS, ça semble quasiment mission impossible pour Fnatic. Et un troisième dragon, donc le boost de mobilité pour l'équipe chinoise. Du coup, Korowan, s'il avait quelques problèmes en gage avec sa gloire du juste, à mon avis, il devrait pouvoir les gommer avec ses nouveaux buffs dragons. Et Nick est obligé de défendre sous les tours de Nexus. Noir, on récupère autant de farms que possible, mais bon, c'est dur. Il manque un Ashor. C'est tout ce qui manque à Edward Gaming pour pouvoir finir cette game.
pourrait y aller autrement, mais je pense que c'est plus safe. Après, voilà, c'est bien voir par Fnatic. Ils savent que peut-être le dernier espoir est sur un Steel Nash avec un engage derrière. C'est peut-être la seule façon d'essayer de revenir dans cette game. Et donc ils vont tout donner pour ça. Mais après, voilà, les Dwarf Gaming, c'est une équipe qui est propre, qui va pas faire un call Nashor à la va-vite. Et ça m'étonnerait assez fortement que Fnatic puisse faire quelque chose. Fabivent sur Pound, Pound qui a dashback, Pound sous Zonia, où il a attendu là, hein, voilà, il y a un sacré comité de réception du côté des Fnatic. Ce trap ne fonctionnera pas sur Pound. Ça, c'est le genre de choses que doit essayer de faire Fnatic pour tenter un comeback, même s'il est relativement improbable. Il faut qu'ils assurent du map control. Et Dwarf Gaming peut se laisser prendre dans ce genre de situation. Après, je vois pas Pound faire deux fois la même erreur. À mon avis, la prochaine fois, il s'assurera qu'il n'est pas visible. Et Dwarf Gaming qui tente des baits maintenant. Ils ont l'avantage du map control, clairement. Regardez la forêt de ward qui a été posée par l'équipe chinoise. Et du coup, Fnatic évolue en permanence sous la vision d'Edward Gaming, et c'est encore plus compliqué pour eux à gérer comme situation, surtout avec leur compo. Non, bon, bah on attend le coup fatal, de quelle façon les Edward Gaming vont ouvrir leur petit calepin de possibilités. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de pages. Ils vont pointer une des façons de finir cette game au hasard et ils vont la prendre. Le split push de Korowan sur la botlane, on va y envoyer Uni pour s'opposer. Et on sent là la volonté d'Edward Gaming de prendre le moins d'intervalle pour faire ce Nashor. On va récupérer tout de même le blue buff du côté de Pound. Ne pas faire les choses à moitié, puis c'est quand même un confort. Un confort qui n'est pas négligeable. Hein. Pour le blanc, un petit blue buff. Edward Gaming qui viennent encore une fois assurer du map control, mais très très loin jusque dans les terres Fnatic. C'est-à-dire que là, vraiment, Fnatic a quasiment pas de vision. Et qui vont encore une fois être obligés de s'avancer pour le Nashor. Après, ils ont une Rek'Sai, mais le problème c'est qu'en face, ils sont immobiles. Alors, il prend la vision Renover, pas de problème. Avec son sondeur. Et Pound, lui, essaie en permanence de voir s'il n'y a pas un joueur Fnatic qui dépasse. Uni du côté de la botlane, ouais, il a un TP, le solo laner des Fnatic. Et il tente de récupérer un peu de farm et peut-être de prendre une T1. C'est vrai que Fnatic n'a pris aucune tour dans cette game. C'est vrai. Et le trap. Et le trap. Oh, ça va être dur là pour Fnatic. C'est, on prend la vision du côté de Renover. Après, ils ont une Rek'Sai. Ils ont une Rek'Sai, il l'a vu. Il a vu là qu'il y avait du mouvement. Il va disengage. Est-ce que Pound peut venir le chercher? Oh, la chaîne qui ne touchera pas. Le TP de Korowan. Avec les bouses de foyer, il va choper le side, le Sark qui ne pourra rien faire, le killing de Silbak, mais regardez, mort, les dégâts sont inexistants. Silbak qui peut rien faire, il reste très loin du fight, là le problème c'est voilà Korowan qui est en train de forcer le destin, Dev dans la QSS. Mêlée, mais tout de suite QSS. Dev sans problème, flash out, QSS, on renvoie Meko dans la mêlée. La duo lane d'Edward Gaming est en train de mystifier Fabivent et Uni. Oh Dev, ce qu'il aura mis en Fnatic là-dessus, sur cette option. Énorme. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur ce qu'ils sont en train de manger. Oh, le grab de la part de Meko sur Uni. Le play qui est follow-up. Meko qui va être tué sous les coups de Uni. Mais tout de même, Dwarf Gaming qui récupère le kill. Et derrière, un Nashor. Deft. 25 kills à 10. Deft. Je reverrai bien ce fight. Le move de Deft. Il laisse mes gens aucune chance. Le niveau de jeu des Dwarf Gaming sur cette game est incroyable. Outplay U. Ah, c'est outplay, hein. C'est clairement. C'est du massive outplay. Bah, je suis impressionné hein, par les Dwarf Gaming. Ouais, la Fnatic, ils ont. Tu sais, on sait qu'ils sont bons, mais ça surprend toujours de les voir afficher ça. Oh là là. Et la question après, c'est est-ce qu'ils peuvent produire ce type de jeu contre une équipe comme SKT T1? Bah, ils ont pas réussi la dernière fois. Mais après, voilà, encore une fois, là... Mais on risque d'avoir tout de même un affrontement encore entre DG et... Après cette game-là, je me dis qu'on devrait vraiment avoir un BO5 encore entre les deux équipes, Edward Gaming et SKT, tu vois. Donc, on aura le temps de juger, peut-être, et de voir si c'était pas une erreur de parcours pour DG. C'est deux équipes où on sait qu'elles vont se qualifier. Enfin, elles nous prouvent encore par ces résultats. Tentative de catch, Urban, il y a même Marine. Uni, pardon, qui va venir. Bon, voilà. Le blanc, tout simplement, et Pound qui dash back. Qui revient, qui met la pression sur Yellow, la chaîne de la part de Pound, c'est un kill pour le mid laner, le God Slayer d'Edward Gaming. Et regardez, Korowan qui contrôle, qui split les Fnatic, Uni, maintenant Renover, le duo de Coréens du côté des Fnatic qui tombe, la jolie brochette de la part d'Edward Gaming. Et on continue à Fouchnois, peut-être pour la conclusion de la game quasiment. Voilà, les cris viennent d'arriver.
on a le buff Nashor et on va pouvoir même, on pourra, alors ils vont pas essayer de finir, je pense qu'ils vont la jouer safe. On a le dragon qui arrive, mais en tout cas ils en ont les possibilités, ils en ont les outils. Il y a encore un inhibiteur à prendre sur la top lane, on pourra aussi se charger du mid. Enfin, il y a 15k gold d'avance à 28 minutes de jeu. Et bah, il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence, hein. Je pense que les Fnatic sont pas au niveau des droits de gaming. Peut-être pas, mais sans les quelques erreurs en early, ils auraient peut-être eu un peu plus leur chance au moins. Parce que là, franchement, c'est dommage, ça fait deux games. Et que Fnatic perd dans les 5 premières minutes. Ouais, donc honnêtement, c'est un peu frustrant et ça doit l'être encore plus pour eux. Mais c'est bizarre quand même que Yellow est en... Enfin, Yellow, on sait que c'est un joueur qui aime les trucs risqués, mais là quand même, flash in pour récupérer le Krug. Je sais pas, c'est... A mon avis, c'est un peu laissé emporter Yellow là-dessus, c'est dommage quand même. Et là, Edward Gaming qui récupère le quatrième dragon de leur partie. Et les Fnatic qui se marrent hein, sur leur petite caméra, on peut voir. Bon, ouais, ils savent que cette game est perdue, ils se disent, je pense qu'ils savent identifier quelles erreurs ils ont faites sur leur league game. Et après, il n'y a plus qu'à rectifier, c'est... Voilà, on trébuche, on se relève. Bon, là, maintenant, c'est la chasse à l'homme. Hein. Oh, Fabiven qui va tomber là. Dead, pas problème, la QSS. Instant cleanse donc, et encore un kill pour Edward Gaming avec Renover qui prend la première tour des Fnatic dans cette partie. Pound, attention, la chaîne sur Renover, et maintenant Pound ne va plus lâcher. Pound ne va plus lâcher, surtout que Meko est en train d'arriver. Et même les auto-attaques de Pound sont une véritable douleur ultime pour Renover avec les dégâts bruts qui sont... Oh, c'est parti. Pardon, la contre-attaque, le comeback des Fnatic peut-être sur cette action. Malheureusement, c'est le T-Burst qui sera grave pour Edward Gaming. Qui crois-tu? Moi, regarde, Kirlof s'avance. Kirlof s'avance. J'essaye de mettre un peu de hype dans ce qui reste de cette game. Plus grand-chose. Deft, dominating, il est à 11-1-9. Ils sont morts de rire, les Fnatic. Bah, le truc, c'est que... Vaut mieux le prendre comme ça. Ils vont devoir jouer contre Besiktas après donc. Et SKT T1. D'abord SKT, ils finissent par Besiktas. À la fin de la journée. Ce serait fou qu'ils arrivent à réaliser un exploit contre SKT T1. J'irai pas mon pronostic, mais ma prophétie. Le match qui est. Enfin, ouais, le match qui a toute l'importance pour eux, c'est Besiktas. En espérant que TSM perde contre HQ en fait. Pour qu'il y ait un tie break. Non, que TSM batte HQ. Bah non. Ah oui, non, c'est vrai. Enfin, moi je me mets dans l'optique où les Fnatic pourraient passer potentiellement. Mais on va voir. Mais c'est vrai que là. Oui, en fait, faut que TSM perd tout et que Besiktas perd tout, quoi. Ouais, c'est ça. Grosso modo. Ça. Alors, Edward Gaming maintenant qui contrôle. Ils n'arrivent pas encore à finir la game. Mais ça ne saurait tarder, à mon avis. Ils sont vraiment fait ouvrir, hein, Fnatic quand même. Oh, Pound sur un dash, le dash, personne. Le dash qui fait super. Après, c'est un dash ult, mais ça pique vraiment énormément. Alors, on se demande toujours comment Renover arrive à se retrouver là. Qu'est-ce qu'ils nous font? Allez, hop, le flame, Echo le grab et Renover qui ne peut plus s'en tirer. Il s'est déjà fait empaler par Deft. Deft il se bat, Deft is godlike. Oui, on sait. 12-1. Pour le coup, le KDA il va faire mal hein, côté Deft. Ah, c'est sûr que niveau KDA, ça plombe sérieusement les stats des Fnatic, hein, qui n'étaient pas incroyables après leur défaite contre la HQ. Là, ça va faire mal, mais bon, qu'est-ce que le KDA? Pas grand-chose finalement, des chiffres, non, des chiffres. Exactement. C'est vrai qu'au All-Star de l'année passée, finalement, Fnatic s'est qualifié pour la deuxième phase avec une seule victoire. Hein. Oui. Donc bon, ils étaient revenus de loin. Ouais, c'est le dernier match de la deuxième journée, je crois. C'était la folie un peu. On tente de défendre du côté des Fnatic, mais c'est trop tard. Parce que Edward Gaming, au terme d'une prestation d'une classe quand même assez internationale, eh bien, vont pouvoir conclure cette game. Fabiven qui tombe encore une fois sous les dégâts de Deft, doublé en faveur de Deft. Et on continue. Korwan qui s'avance, qui repousse les derniers joueurs de Fnatic jusqu'à leur fontaine. Et Meiko qui va même tenter un petit grab, flash out de Steelbag. Et voilà, c'est la fin de la game. Edward Gaming s'impose très lourdement face aux Fnatic. C'était très 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 pénible à regarder comme game. Aimant beaucoup les Fnatic. On va dire que c'était ouais, sans pitié. Voilà, explosion de joie comme d'habitude chez les équipes asiatiques. Après cette belle victoire. Et on est parti pour la prochaine. Voilà, ça c'est fait.
C'est la prochaine game, voilà. Bon, les doigts de gaming, maintenant, il doit reste Beşiktaş et TSM. Mmh. Ils sont en route pour aller essayer de prendre leur place de deuxième. C'est quand TSM HQ? C'est juste après? C'est Ce match. TSM HQ, ouais. Juste ce match après. Est vraiment super important parce que bah, pour Fnatic, il faut pas que TSM gagne. Hein. Bah non, TSM, ils doivent tout perdre maintenant si jamais Fnatic veut passer devant et essayer d'espérer rentrer. Beşiktaş devrait perdre toutes ses parties. Si TSM perd toutes ses games, étant donné qu'il y a la confrontation directe, ils sont derrière Fnatic. C'est à égalité entre les deux, donc il y a c'est Fnatic qui passe. Confrontation directe. Donc, faut y croire côté Fnatic, mais il faut battre Beşiktaş avant tout déjà. Ouais, honnêtement, pour revenir là sur ce match, bon, c'est vrai que l'erreur de Yellow, elle leur coûte un kill en early et qu'après ils se retrouvent derrière. Mais intrinsèquement, il n'y a pas que ça. Ils se sont fait. C'est vraiment des outplays. En 1 contre 1 ou en 2 contre 2 sur quasiment toutes les lanes. J'avais abordé le sujet du counter roaming au début où justement à chaque fois on a vu hein, les joueurs quand ils sont dépassés c'est que c'est un bait. En fait t'es jamais dans une position avantageuse contre un joueur Edward Gaming. On a vu au top à un moment donné où Corwan a l'impression qu'il est pas bien, il va jusqu'au bout de la nuit, il va chercher le kill sur Uni. C'était vraiment une autre classe. Edward Gaming ils ont montré qu'ils étaient très forts là. J'attends de voir honnêtement. Je pense que le meilleur scénario possible, ce serait qu'Edward Gaming et SKT T1 se rencontrent en finale pour qu'on puisse les voir sur un maximum de games. Parce qu'au vu de ce qu'a montré Edward Gaming avec une compo intéressante et ce qu'a montré SKT T1, la finale pourrait être très légendaire. C'est comme finale, c'est une finale de Worlds. C'est une finale de niveau Worlds. Bon, même mieux parce que. MSI, c'est un niveau Worlds de toute façon. Ça fait 2 ans que les finales de Worlds sont one-sided. C'est peut-être la première fois qu'on verrait une finale mondiale qui serait vraiment disputée comme l'étaient les finales d'OGN. Quoi. Il est vrai. Ouais, en tout cas, bon, pour Fnatic, voilà, il faut se remobiliser et battre Beşiktaş, surtout. Et puis là, regardez un peu. N'empêche, Fnatic, en battant TSM, ils ont fait quand même une sacrée grosse opération. Ah, ils se mettent à l'abri. Ils s'obtiennent au moins un tie-break. Bon, s'ils battent Beşiktaş, mais je pense vraiment que. Le truc, c'est que si TSM bat HQ, et qu'après, ils perdent contre Edward Gaming et que Fnatic bat Beşiktaş et perd contre SKT T1, on aurait donc une potentielle triangulaire. Est-ce que tu avec HQ, s'ils sont à égalité, on pourrait avoir une triangulaire. Est-ce que tu vois arriver le scénario des Worlds où les Kaboom eSport battent les Alliances et remettent en doute la possibilité d'une équipe sûre de passer en demi-finale? Est-ce que des Beşiktaş qui battent Fnatic et qui permettent au TSM de passer, ne serait-ce pas un scénario que l'on connaît déjà? Ce serait une couleuvre très. T'es un grand champion pour hyper des trucs improbables. Hein. C'est une couleuvre très. Je connais très personne qui le fait aussi bien que toi. Hein. T'es vraiment un génie là-dessus. Je suis désolé, il y a des possibilités. Je vous mets juste les possibilités sous les yeux et après je vous laisse prendre votre décision. Je vous laisse vous faire votre avis. En tout cas, le prochain match, messieurs, TSM contre HQ, c'est super important. C'est comme si on regardait les Fnatic jouer. Parce que ça compte beaucoup trop pour eux, ce match. Donc on va voir. Si on veut voir les Européens passer, il faut que TSM perde. Moi, j'ai toujours été taïwanais. J'ai l'âme d'un taïwanais en moi. Allez les HQ. On va voir ce que ça a donné. Donc, petite page de publicité et on se retrouve après pour TSM contre HQ, match ô combien important pour la suite de ce MSI. À tout de suite.